Namasté. L'année 2020, c'est une année wow! C'est une grosse année. C'est l'année où je me suis finalement réapproprié mon pouvoir. Puis là, tu vas me demander, mais c'est quoi ton pouvoir? Tu l'as toi aussi, ton pouvoir créateur, d'avoir ta propre pensée. Hein? Pas celle qu'on te dicte depuis que tu es né. Ça, c'est un système qui est terminé. Puis c'est ça, la fin du monde. 2020, c'est l'année pour ça. Il faut que tu aies confiance en ton énergie personnelle, puis ton pouvoir de décision. C'est pour ça que tu te poses tant de questions. Si tu te poses des questions, bravo. Si tu fais tes propres recherches, bravo. Si tu crois pas, surtout pas en ce que je te dis, puis que quand la vidéo va être finie, tu vas aller toi-même aller investiguer, magnifique! C'est ça l'ère du Verseau. On termine l'ère du Poisson. Une ère où il y a eu beaucoup de contrôle. Puis là, on s'en va vers l'ère du Verseau où maintenant, l'humain prend contrôle. L'ère du poisson, c'est une ère qui se veut verticale, de haut en bas, pyramidale. Pyramidale, oui. Les hiérarchies, les castes, tout ça s'effondre. L'ère du Verseau, c'est une ère où on voit latéral, on a une vision qui est beaucoup plus horizontale que verticale. C'est la grosse différence. Quand on pense en verticalité, up and down, bien c'est sûr qu'il y en a toujours un en haut de toi, puis il y en a un en bas de toi. L'ère du Verseau, c'est pas ça. Tout part du cœur, puis ça spread apart. C'est là où on devient individuellement uni avec l'autre. Magnifique, ça. On était dans des sphères basses, des low vibrations, le 3D, tu en as sûrement entendu parler. Là, maintenant, avec l'ère du Verseau, on s'en va sur d'autres choses. On monte 4D, on monte 5D. Pas 5G. Pas la même affaire. Quatrième, cinquième dimension. Là, tu me dis, ben ouais, attends une minute, Claudia. Là, je m'en viendrai pas comme un fantôme ou un extraterrestre. C'est pas de la dimension d'un film que je te parle. La dimension « it's within », hein? T'arrêtes de penser d'en bas, de ton besoin matériel, de ton idée. En fait, c'est même pas la tienne. C'est des concepts qui t'ont été emmenés dans ton propre être, puis que tu définis comme toi, ta personnalité, toi, tes pensées. T'es pas ça. I'm not my body, I'm not my mind, I'm something divine. Hallelujah! Tu réalises que t'es plus un corps. Que tu n'es pas mieux ou pas moins qu'un autre, ça n'existe pas. On est tous un. Mais il faut que tu t'assumes. Faut pas que tu aies peur. Parce que ça aussi, l'ère du poisson, c'est l'ère de la peur. C'est l'ère où on contrôle. Tu prends possession de ton pouvoir. Es-tu prête à faire ça? Oh, c'est dur. Parce que la peur est incrustée. Parce que la peur est à TV, est à radio, est sur l'Internet, partout où tu regardes. La peur est là. On va même te manipuler. On veut te tenir dans la peur parce qu'on veut te garder low vibration. Pourquoi? Parce que tu es bien plus facile à contrôler. Quand tu décides que tu n'as plus peur, parce que la peur, c'est un concept, ça n'existe pas. Quand tu as décidé que tu n'avais plus peur, puis que tu rentres dans ton cœur, ben voilà, que du bonheur. Même ça rime, ça. J'aime ça. C'est comme dans le film La Matrice, chose que je dis souvent. Faut que tu déplugues, Néo. L'année 2020, c'est l'année de la vision 2020. C'est ça que ça veut dire. On t'a donné des yeux, puis on t'a donné des lunettes, puis on dit « vois avec ça ». T'enlèves tes lunettes, puis tu vois périphérique. 360 degrés, t'as les yeux tout le tour de la tête. C'est plus avec ces yeux-là que tu vas voir dans l'ère du Verseau. C'est avec cet œil-là, le troisième œil.
L'œil de l'éveil spirituel. Ouais. I said it. Je l'ai dit. Avec l'air du Verseau, on ouvre le portail. L'amour universel, l'amour qui guérit. Parce que la maladie, ça n'existe pas dans le 5D. Ça, c'est cool, ça! On est humainement conçu pour être parfait. On est fait comme ça. Les gens autour de toi, ils vont avoir peur. La peur ne fait plus partie de mon vocabulaire. À partir d'aujourd'hui, je reprends mon pouvoir. Je m'investis dans l'amour inconditionnel. Ça, c'est cool! Bien, c'est cool parce que le fait que tu écoutes la vidéo, c'est parce que tu y crois. Il y en a beaucoup qui y croiront pas. Puis il y aura un moment donné où la décision devra être prise, le jour peut-être d'un vaccin. Que vas-tu dire? Qu'est-ce que tu décides de faire? Le système est déjà en train de tomber parce que les gens s'éveillent, les gens se posent des questions. On voit qu'on s'est fait mentir pendant des milliers d'années. L'éveil est là. C'est déjà gagné. À cette heure, qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour contribuer à ce nouveau monde, terre du Verseau? Fait que si tu le veux bien, installe-toi dans une posture assise, puis on va méditer ensemble. Ferme les yeux. Dépose les mains sur tes cuisses, les paumes sur tes cuisses. Pour aller à l'intérieur. Ici, prends 3 bonnes respirations. Et laisse aller dans un soupir de satisfaction. Les yeux sont fermés. Laisse les dents se relâcher, la langue, la gorge. Laisse les yeux même aller derrière. Tout ton visage est super relax. Les bras deviennent plus lourds ici. Et je vais te demander de porter ton attention dans le bas de ton corps. Tu gardes contact avec la terre de ton assise. Mooladhara Chakra. Amène encore un peu de tonicité dans le plancher pelvien et ressens cette énergie monter devant ton sacrum, le bas de ton ventre. Respire doucement et relâche. On va remonter un peu plus. Sous tes côtes flottantes, le plexus solaire. Imagine un soleil jaune à cet endroit-là. Amène les rayons à l'intérieur et recule derrière au niveau de ta colonne vertébrale. Laisse remonter de la moelle épinière jusqu'à ton cœur, au niveau de ton cœur. Enrobe le cœur de lumière. Sens le cœur qui gonfle.
Imagine que tu fais un hug, que tu cajoles les êtres que tu aimes. Essaie de faire un hug à des gens qui sont dans ton quartier, que tu sais qui aident la communauté. Apporte-leur cette lumière. Pense à des gens qui te challengent dans la vie. Des gens qui t'ont peut-être blessé. Et amène-leur cet amour, donne-leur cette lumière. Cette énergie d'amour inconditionnel est en train de transmettre un nouveau langage dans le cœur de ces gens-là. Ressens maintenant ce qui se passe dans ton propre corps. Cœur, dans ton âme. Vois comme maintenant tout est clair. Maintenant, on va longer la colonne vertébrale, amener de la lumière un peu plus haut. Derrière les vertèbres cervicales. Et laisse diffuser la lumière vers l'avant, au niveau de la gorge. Quels mots te viennent de ton cœur? Quelles phrases? Quelles citations? Laisse-les être l'écho du cœur. C'est l'amour qui dit vrai. Retourne à l'intérieur de ta moelle épinière et finis le trajet à l'axis de la colonne vertébrale, là où maintenant s'emboîte le crâne. Le noyau central de ton cerveau. Amène une lumière intense là. Fixe ton attention là. Un point derrière les deux sourcils.
peut-être tu y verras des formes. Amène-y ta lumière. Respire doucement. Sois le témoin silencieux maintenant de ce qui se passe. Sans forcer. Observe. Sois à l'écoute des messages qui te sont transmis. Respiration est douce. Tu observes, tu ressens, tu entends l'écho des messages. Amène toute la lumière à l'intérieur de ce point central. À l'intérieur de ton cerveau, au centre même de ton cortex cérébral. La lumière est très intense ici. Observe la respiration voyager dans le corps. Observe à quel point maintenant tu es dans un état plus stable, plus équanime. Et frotte-les vigoureusement pour créer de la chaleur. Si tu as des lunettes, enlève-les. Et du moment où tu vas sentir les paumes devenir chaudes, toujours les yeux fermés, dépose les yeux dans tes paumes. Tu exerces comme deux coupoles avec tes paumes. Et la tranche externe de tes petits doigts presse entre tes deux sourcils. Ouvre tes yeux à l'intérieur de tes mains. Regarde la noirceur dans tes mains. Avec les bouts de tes doigts, masse le scalp et doucement la lumière apparaît. Laisse les mains aller de chaque côté de tes tempes. Les yeux légèrement ouverts. Et laisse les doigts glisser sur ton corps. OK. S'il y avait des choses qui se sont manifestées, là, si tu as vu des trucs pendant la méditation, je te dirais, écris-les. Et
c'est une méditation que tu peux faire à tous les jours. C'est vraiment pas long. Et puis, si tu as plus de temps, tu pourrais rester plus longtemps au niveau du troisième œil, puis regarder, être témoin de ce qui se passe, des messages qui te sont envoyés. Sans forcer, c'est le truc. Du moment où on veut absolument voir quelque chose, c'est là où notre mental nous donne des images. Mais si on reste ouvert, le cœur ouvert, être dans le ressenti, puis d'observer sans juger, il y aura des choses vraiment intéressantes qui pourraient se manifester à toi. Fait que j'espère que tu as aimé ça. Partage surtout. Et puis, de rester dans ton cœur. Ça, primordial. Je t'aime. Je t'aime d'amour. Namasté.